Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alouesterien Nouveau consacré cette fois-ci à l'aspect militaire. Nous allons démarrer avec cette première vidéo intégralement consacrée aux divisions, qui a déjà beaucoup de choses à dire. J'ai des informations intéressantes, bien compilées, j'espère que ça va vous plaire. Mais nous allons d'abord tout commencer par comment ça fonctionnait dans Hearts of Iron 3. Alors, retour en arrière et voici donc une capture d'écran du système de constitution d'une division dans Hearts of Iron 3. Si je vous le montre, c'est parce que HOI 3, c'était le premier jeu de la série qui a apporté la possibilité pour le joueur de construire ses divisions. C'est-à-dire qu'au préalable, dans HOI 2, en fait, il fallait, enfin, vous aviez des templates de divisions, vous les construisez et puis ça s'arrêtait là. Vous pouviez pas décider de ce qu'il y avait dedans. Et HOI 3 a apporté donc la possibilité, donc pour le joueur, on peut le voir dans la capture d'écran, de choisir de quelle brigade était constituée, était constitutive d'une division. C'était totalement nouveau, assez novateur puisque ça n'existait pas dans les séries précédentes, et il faut bien l'admettre, très apprécié. Alors là, il y a un truc qui est clair et net, c'est que les joueurs ont adoré ce système. Sachant que vous pouviez avoir de 1 à 5 brigades, et il fallait développer des technologies pour pouvoir monter hein, jusqu'à 5. Parce qu'initialement, je crois que la moyenne, c'était environ 3, si je me souviens bien. Après, les nations les plus avancées, comme les Allemands, les Américains, pouvaient facilement monter jusqu'à 5. Donc ça, c'est un mécanisme qui a été apporté avec HOI 3 et qu'on va retrouver dans Hearts of Iron 4 en version améliorée. Alors quels étaient les défauts qu'on avait dans Hearts of Iron 3? Alors le premier défaut, c'est que ce mécanisme de template que vous avez ne fonctionnait qu'au moment de la création de la division. C'est-à-dire que si vous faisiez évoluer le template, eh ben les divisions qui étaient sur le terrain, elles, continuaient de rester telles qu'elles étaient à leur formation. C'est-à-dire que si, un exemple très simple, hein, si vous souhaitez apporter une brigade de support, vous pouviez le faire, donc vous construisiez les brigades de support, et puis il fallait les affecter à chacune de vos divisions. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais quand on sait que le russe il peut avoir 200 ou 250 divisions, ça fait quand même un paquet de clics. Donc ça fait, du coup, on arrivait et c'était la fête du clic. C'est pas que pour ça d'ailleurs dans HOI 3, mais c'est là on s'intéresse qu'à ce système à l'heure actuelle. Un autre défaut qui a été constaté sur HOI 3, c'était que vous pouviez avoir... vous aviez des bonus lorsque vous faisiez des combos. Et en fait, c'était un problème parce que c'était un petit peu trop OP. C'est-à-dire que, dès que vous pouviez, en fait, vous étiez exclusivement incité à faire des brigades mixtes parce que, des brigades de division avec des brigades mixtes. Parce que c'était ce qui avait le plus efficace. Et le jeu ne encourageait à tendre vers ça. Et donc finalement, il y avait des templates, mais finalement, on n'était pas tellement, on ne tendait pas tellement vers de la variété, puisque les mécaniques de jeu faisaient que, si vous souhaitez gagner, il fallait les divisions les plus puissantes. Les divisions les plus puissantes, finalement, il n'y avait pas 50 millions de manières d'en faire. Donc ça, c'est le deuxième défaut que pouvait avoir HOI 3. On revient maintenant à Hearts of Iron 4. Dans Hearts of Iron 4, le système de constitution d'une division d'HOI 3 a été préservé mais modifié. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gardé? On conserve le système de brigade. Mais si vous regardez dans ce que vous voyez actuellement à l'écran, vous remarquerez que le système se présente sous forme d'un tableau, constitué, donc comme tous les tableaux, de colonnes et de lignes. On le lit de la manière suivante. Chaque case représente un régiment. Une colonne, ça va être une brigade. Donc on peut constater que votre division peut être constituée de 6 brigades, une de soutien et 5 de combat, que vous constituez comme vous le souhaitez. D'accord? Donc les brigades de soutien, on en a déjà parlé un petit peu lorsqu'on a parlé des recherches, donc ce sont des brigades spéciales qui vous apportent des bonus en particulier. Alors là je vous mets une capture d'écran de la brigade de reconnaissance. J'ai trouvé également entre temps depuis la vidéo sur les recherches la brigade de ravitaillement, à quoi elle servait exactement. En fait c'est -10% à la consommation de ravitaillement. Donc c'est un régime.
régiment, c'est un régiment qui est utile. Et vous avez donc tous les types de régiments utiles, blindés légers, artillerie, etc., etc., motorisés, mécanisés, voilà. Donc ça, j'ai pas abordé le détail là maintenant, mais vous devriez pouvoir voir un petit peu ça à travers des vidéos et des captures d'écran que je vous mets. Donc en plus d'être plus détaillé que dans Heart of Iron 3, puisqu'on a un contrôle plus fin sur de quoi est constituée la division, cette fois-ci la manipulation du template va affecter toutes les divisions qui utilisent ce template, à la hausse comme à la baisse, et aussi bien pour le manpower que pour l'équipement. Donc ça c'est vraiment intéressant, parce que ça veut dire que si à un moment donné vous dites le cas le plus simple qui est présenté par les développeurs, c'est ben voilà, maintenant avec les recherches que j'ai fait, mes divisions sont naturellement plus puissantes parce que ben voilà, j'ai de meilleurs équipements, j'ai fait des recherches d'organisation qui font que mes divisions sont naturellement plus puissantes, ou alors j'ai des doctrines qui m'apportent aussi de la puissance de feu. Donc là, vous avez finalement deux possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est de ne rien changer et de profiter de votre puissance de feu additionnelle sur toutes vos divisions. L'autre, c'est de se dire, ah bah tiens, puisque à présent mes divisions sont plus puissantes, je vais du coup réduire la taille de ma division et en profiter pour sortir plus de divisions. Puisque à partir du moment où vous allez modifier une division et que vous allez retirer des régiments d'infanterie, et ben du coup vous allez récupérer le manpower en conséquence. Donc ça vous est à donner, il y a une infobulle, vous allez voir une vidéo où vous allez pouvoir le voir. Vous avez une infobulle qui vous dit voilà, modifiez cette division, vous récupérez ça va impacter N divisions au total et vous récupérez un total de X manpower et de tant d'équipement. Puisque l'infanterie hein, elle est équipée, donc il faut vous allez récupérer cet équipement qui pourra lui être dispatché dans des nouvelles divisions que vous allez constituer. En plus de ça, sachez que vous pouvez assigner une icône spécifique à votre template de division. Donc là, je suis en train de vous mettre une capture d'écran que j'ai réussi à attraper à la volée sur les World War Wednesday. Et il faut savoir également, c'est que la modification d'un template de division vous coûtera de l'expérience. Donc ça, j'en parlais dans un sujet à part au sein de cette vidéo tout à l'heure. On va détailler un peu l'expérience. Sachant que certaines recherches vont vous débloquer des templates de division gratuitement. Par exemple, si vous n'avez pas les parachutistes et que vous recherchez l'unité parachutiste, ben vous verrez au niveau de la recherche que ça vous débloquera automatiquement un template d'unité parachutiste. Alors ça sera un template basique et il vous faudra le modifier si vous souhaitez qu'il augmente en puissance. Voici maintenant des exemples de templates de division avec ici l'unité de la division d'infanterie de base, suivi d'une division de milice qui est chargée de protéger le territoire national, une petite division, division de cavalerie, une division motorisée, donc on peut voir qu'elle a un peu de soutien, notamment d'artillerie, d'ingénieurs et de reconnaissance, et division d'unités de marines. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir sur la constitution des divisions par vos soins. Donc là on peut voir que, enfin en tout cas c'est mon sentiment, que ils ont vraiment amélioré le système, ils ont vraiment parti, ils ont gardé finalement ce qu'ils avaient bien dans Shaui 3, ils en ont pris les défauts et je trouve qu'ils les ont bien corrigés. Alors là, tel que c'est, moi je trouve pas spécialement de défauts à cette mécanique, d'autant plus que je trouve que ça s'emboîte bien avec le système d'équipement. Alors, avant de passer à la suite, il y a encore un dernier point que je vous ai décoté. Celui-là, il n'y a pas eu beaucoup de communication dessus, et c'est vraiment basé sur de l'observation que j'ai pu faire au travers toutes les vidéos et captures d'écran que j'ai pu regarder. Alors, on sait, ça a été dit, que les divisions ont un système de priorité sur leur équipement. Ça, c'est quelque chose qui est dit. En fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, j'ai détecté au moins trois niveaux dans lesquels on pouvait mettre de la priorisation. Le premier niveau, c'est sur la division. Donc, vous pouvez le voir sur la capture d'écran, c'est les petits chevrons rouges et or qui sont juste à côté du nom de la
de la division, où vous pouvez choisir est-ce que l'unité, eh ben, en fait c'est une unité classique, donc là vous prenez le trait, elle sera renforcée de manière normale. Si c'est une unité que vous considérez comme une unité secondaire, ben, vous allez choisir les chevrons rouges qui vont faire qu'elles seront renforcées en dernière priorité. Ou au contraire, si c'est une unité d'élite, eh ben vous allez choisir les chevrons jaunes qui eux vont la mettre en top priorité en ce qui concerne leur ravitaillement entre guillemets, puisque ça le ravitaillement impacte aussi l'équipement que les unités vont recevoir. On peut voir sur la capture d'écran que l'unité de Marines est en unité d'élite et au contraire l'unité de garde nationale, si je puis dire, est une division secondaire, une division de milice. Le deuxième niveau se situe au niveau de l'écran de déploiement des unités de vos divisions, puisque vous allez pouvoir définir sur chaque élément, c'est-à-dire au niveau des renforts, donc pour les unités qui sont déjà sur le terrain, le niveau de priorité pour la distribution donc de l'équipement, pour les upgrades, donc pour la mise à jour de l'équipement, le niveau de priorité, et pour chaque ligne de production que vous avez en place, le niveau de priorité de vos équipements. Je dis bien pour chaque ligne de production, parce que vous pouvez très bien mettre en production, je sais pas moi, 3 divisions d'infanterie standard, avec un niveau de priorité normal, et mettre la même ligne de production en place avec de nouveau 3 divisions standard, mais avec une haute priorité. Dans le sens pour dire, je veux immédiatement 3 divisions d'infanterie, vraiment tout de suite, avec grand niveau de priorité, parce que j'en ai absolument besoin, mais vous voulez pas le faire sur toutes, parce que sinon ça va vous plomber vos renforts ou vos mises à jour d'équipement et vous ne le souhaitez pas, donc vous voulez juste le faire de manière temporaire. Donc ça, vous avez le droit de le faire. Le troisième niveau de priorité, c'est au niveau du théâtre d'opération, où on n'en a pas encore parlé, ça sera abordé dans une autre vidéo, mais sur les théâtres d'opération, vous avez la possibilité de mettre également un niveau de priorité sur le théâtre. Donc je vous mets quand même une capture d'écran pour que vous puissiez le voir. Et donc ça, ce sont les 3 niveaux de priorité. Malheureusement, j'ai pas d'informations sur quelle est l'importance de chaque niveau de priorité. Je vais essayer de poser la question au développeur pour savoir si je peux obtenir une réponse à ce sujet. En tout cas, ce que j'ai remarqué toutefois, c'est que vous pouvez tout à fait avoir des divisions qui ne reçoivent pas d'équipement parce que trop basse dans les priorités et qu'il y a pas assez, vous produisez pas assez d'équipement. On va maintenant s'intéresser au système d'expérience. Ça, c'est tout nouveau dans Heart of Iron 4. C'est l'une des grosses nouveautés d'Heart of Iron 4 et qui vient compléter le système d'équipement que nous avons déjà vu à la fois les technologies et le système de production. Alors, il faut savoir, c'est que quand vous recherchez un équipement, vous allez pouvoir le produire, mais vous allez pouvoir produire la première version de cet équipement, c'est-à-dire une version de base avec des statistiques de base. Au fur et à mesure que vous allez utiliser l'équipement, entre guillemets, parce que le chiffre et le compteur est plus global que ça, vous allez gagner de l'expérience, et cette expérience pourra être utilisée pour améliorer votre équipement et produire donc un nouvel équipement plus performant. Donc cette expérience a été séparée en 3 parties, l'expérience terrestre, l'expérience navale et l'expérience aérienne. Donc pourquoi séparation entre les 3? C'est pour que en fait, si vous faites énormément de combats terrestres, pas que vous puissiez vous mettre à construire une flotte surpuissante alors qu'en fait vous avez jamais produit le moindre bâtiment. Pensons par exemple à l'Allemagne. Généralement l'Allemagne en général, il a un petit peu peur de sortir de sa petite mer au nord, hein, parce que dès qu'il essaye de sortir, là, généralement il se fait coincer par les Anglais. Il n'aura pas forcément une expérience navale absolument extraordinaire. Il en aura quand même un petit peu, parce qu'il aura quand même des sous-marins, il va quand même faire quelques combats, mais ce ne sera pas extraordinaire. A contrario, l'Anglais, lui, il devrait être capable de sortir une expérience navale beaucoup plus importante, et donc du coup d'avoir de meilleurs navires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les points d'expérience, il y a plusieurs moyens d'en gagner, en général, il y a moyen de se débrouiller. Alors,
L'expérience, vous avez un gain faible en temps de paix. Vous avez quand même un gain parce que voilà, on peut estimer que vous allez tout de même expérimenter un petit peu vos équipements et donc vous allez quand même gagner un peu d'expérience en temps de paix. Mais c'est pas là que vous allez en gagner beaucoup. Un gain évidemment fondamental, ça c'est important, beaucoup de gains d'expérience lors des combats. Vous aurez également des gains si vous faites des crédits buy. Et si vous entraînez vos unités, puisque vous avez la possibilité d'entraîner vos divisions sur carte. Ça, on en reparlera quand on parlera de l'expérience, c'est un des sujets de cette vidéo. Alors, il y a également les objectifs nationaux et éventuellement des ministres qui peuvent apporter des gains additionnels d'expérience. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'expérience, c'est qu'elle est capée. Elle est capée à 500 au maximum. Donc la raison à ça, c'est que c'est pour vous encourager à le dépenser, tout simplement. C'est-à-dire, ça sert à rien de l'accumuler de manière indéfinie. De toute façon, une fois que vous atteignez 500, c'est capé. Ça va relativement vite, hein, parce que dans la capture d'écran que je vous montre, c'est la partie du World War Wednesday avec le Japon, encore. D'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi encore ça? Bah, tout simplement parce que ce World War Wednesday, c'est le dernier build en date. Donc tout ce que je vous montre, c'est d'actualité, et je sais que c'est hyper récent. Donc, fin de la parenthèse. Donc dans ce build, on peut voir donc qu'il a 408 points d'expérience terrestre et on est en juin 1937. Ça fait pas très longtemps qu'il est en guerre, hein, ça fait quelques mois à peine. Donc vous voyez que c'est quand même allé relativement vite. Hein. Il a gagné pas mal de points d'expérience et bientôt là il va être capé au max et il pourra plus en gagner. Donc il a tout intérêt à utiliser son expérience pour améliorer son équipement, étant donné que il va bientôt atteindre le maximum. Bon, avec les conséquences que ça peut avoir sur la production, étant donné là que par exemple le japonais il a pas mal de problèmes de production, c'est pas dit qu'il améliore son équipement tout de suite tout de même. Il y a une dernière chose qui est importante à savoir par rapport au système d'expérience, c'est que l'expérience gagnée est proportionnelle au pourcentage de vos unités qui sont engagées au combat. Ce qui veut dire que si vous êtes une petite nation et que les combats vous font engager 10 divisions, mais que ça représente 90% de vos unités, et ben vous gagnerez quand même beaucoup d'expérience. Tandis que si vous êtes l'Allemagne et que vous allez rouler sur la Roumanie avec à peine 20% de vos divisions, faut pas espérer gagner énormément d'expérience de ce qui se passe à ce moment-là. Donc ça, c'est un élément important. On verra ce que ça va donner au niveau terme d'équilibrage, mais en tout cas, le principe est un. Je vous propose maintenant de regarder deux petites vidéos consacrées à l'amélioration de l'équipement en utilisant les points d'expérience. La première vidéo va être, vous pourrez voir le Ki-27, donc l'amélioration du Ki-27, un chasseur japonais. Donc vous pouvez voir, donc il teste d'abord par avec un petit peu de fiabilité, il va le retirer. Il met un petit peu de moteur, mais il va le retirer également. Et ensuite, voilà, c'est parti pour de la portée. Plus de portée, mais moins de fiabilité. Donc du coup, il rajoute de la fiabilité. Il va mettre de l'arme et ça lui donne un petit malus d'agilité et de fiabilité. Donc il va le retirer également. Et il va mettre du moteur. Et donc cela, il a 125 points. Il en a 128 au total à dépenser. Donc il va conserver ses améliorations. Donc 2 de fiabilité, 2 de portée et 1 de moteur pour une portée opérationnelle augmentée de 140, une vitesse améliorée de 10 et plus 2,5 d'agilité sur cette variante du Ki-27. On va passer à la deuxième vidéo, vous pouvez voir l'amélioration du TIG-91. Alors c'est surtout de l'expérience, c'est-à-dire il teste un petit peu le gars, donc vous pouvez voir là qu'il ajoute de la fiabilité, de la portée, etc. Et il montre à quel point, voilà, en fait ce que j'ai constaté, c'est que tout ce qui apporte des bonus a tendance à diminuer la fiabilité. Donc ce qui veut dire qu'en fait votre avion, si vous lui mettez des tonnes d'armes de moteur et de portée, ben en fait il va exploser en vol parce qu'il n'aura plus aucune fiabilité. Donc ça, je pense que ça a été créé pour compenser, pour pas abuser, c'est-à-dire pour vous forcer à faire quelque chose d'équilibré. Et on voit que ça coûte très vite très très cher en expérience. Là déjà il a 500 points d'XP pour ce design. Donc c'est juste une démonstration, ça s'arrête là. Maintenant que vous avez designé vos templates de division, il s'agit donc d'essayer de la produire. Alors, et là on a encore une fois une nouveauté par rapport à Heart of Iron 3, puisque on ne produit plus les divisions dans Heart of Iron 4. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les former et les équiper.
ce qui est fondamentalement différent. Et ça implique que du coup on a un nouvel écran qui est celui que je vous ai mis sous les yeux, agrémenté également d'une petite vidéo, ça s'utilise assez facilement, dans lequel vous allez décider, ah bah tiens, j'aimerais commencer à former et équiper N divisions. Alors, il faut savoir, c'est que ce qui va changer, c'est que le manpower, il va être pris instantanément. Alors, il va être consommé instantanément. Et ce qui va changer, c'est que vous avez deux barres, l'une pour l'expérience et l'autre pour l'équipement. Donc au fur et à mesure que le temps va passer, eh ben la division va s'équiper et va s'entraîner. Alors l'équipement, ça peut aller très vite, parce que si dans votre réserve vous avez tout ce qu'il faut pour équiper la division, elle va être, ça va pas traîner. Alors évidemment, tout ça c'est en fonction des niveaux de priorité, hein, parce qu'il s'agit pas que d'avoir du stock, hein, ça dépend également du niveau de priorité, et que si d'un seul coup votre équipement il doit aller ailleurs, c'est possible que vos unités entrées en cours de formation ne soient pas équipées. En revanche, l'entraînement a une durée qui est fixée et qu'on peut voir d'ailleurs dans le designer de division, qui est fixée de base à 180 jours. Alors, ce que j'ai vu, c'est que ça pouvait augmenter ou diminuer en fonction de certaines choses. Il y a des ministres, il y a des recherches, etc. Mais de la base, c'est 180 jours, c'est-à-dire 6 mois pour former et entraîner la division. Mais sachant que le taux d'entraînement maximum sera limité au taux d'équipement de la division. C'est-à-dire que vous pouvez pas raisonnablement dire, ah bah tiens, je produis pas assez d'équipement et donc ma division de tank n'a que 4 chars, et se dire que votre division va être capable de s'entraîner avec ces 4 chars. Non. Alors je sais pas exactement quels sont les ratios, mais a priori il semblerait que le taux d'entraînement soit capé sur le taux d'équipement. C'est-à-dire que si vous avez que 50% d'équipement, vous avez que 50%, votre division n'atteindra que 50% d'entraînement. Donc ça c'est un élément, alors ça c'est plutôt intéressant, c'est l'un des éléments qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est qu'il est tout à fait possible de déployer des divisions sous-équipées et sous-entraînées si on avait impérativement besoin. D'ailleurs, le japonais dans la partie de World War D&D, il va le faire à un moment donné, c'est-à-dire qu'il va faire un débarquement un peu dans le sud de la Chine, et ben, il va avoir besoin de divisions, et il va faire deux choses. La première, c'est que il va diminuer la taille de ses divisions. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que il avait des tels besoins d'équipement, son industrie n'arrivait pas à suivre, et donc il n'arrivait pas à la fois à équiper, à rééquiper plutôt ses unités qui combattaient, parce que elles perdent de l'équipement en combattant, donc il faut les rééquiper régulièrement. Et en plus de ça, à équiper ses nouvelles divisions. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit bon, ok, j'enlève trois régiments sur chacune de mes divisions, donc du coup il récupère de l'équipement, mais également le besoin d'équipement sur le terrain diminue puisqu'il y a moins d'hommes. Cet équipement a basculé immédiatement sur ces nouvelles divisions. Ces nouvelles divisions n'étaient pas totalement entraînées, il les a quand même déployées, il les a mis sur les terrains, il les a envoyées en Chine, il en avait impérativement besoin, parce que là où il avait débarqué, je crois qu'il n'avait qu'une seule division, et après le Chinois est quand même arrivé avec 10 ou 15 divisions pour l'attraper. Donc il a commencé à déployer des nouvelles divisions en urgence. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors évidemment, et on peut le voir, on en aura l'occasion d'en reparler dans les vidéos ultérieures, que la force de combat de votre division en sera grandement affectée, puisque si elle n'est pas totalement équipée, elle n'aura pas sa force maximum. Hein, ça c'est clair et net. Nous allons terminer cette vidéo sur un dernier aspect qui concerne les divisions, c'est leur niveau d'expérience. Alors Adi, c'est différencié de l'expérience de combat qui sert à améliorer vos équipements. L'expérience des divisions, c'est vraiment l'expérience des hommes sur le terrain. Il y a 5 niveaux d'expérience. Le premier niveau, c'est la bleusaille. Donc toute division fraîchement constituée entre guillemets, c'est-à-dire celle que vous n'avez pas le temps d'entraîner et que vous déployez prématurément, auront le niveau bleusaille. Ensuite, vous avez le niveau entraîné. Et là, c'est le niveau maximum que peuvent atteindre vos divisions quand vous les entraînez hors carte. Alors, le fait de les entraîner hors carte, c'est tout simplement de les mettre à l'entraînement via le planificateur de division qu'on a vu dans le chapitre précédent. Ensuite, vous avez le niveau régulier.
qui, lui, est le niveau maximum qu'une division peut atteindre si vous l'entraînez sur carte. C'est-à-dire qu'une fois que la division a atteint le niveau, entraîné, vous la déployez sur la carte, vous pouvez la mettre à l'entraînement. Et là, elle pourra encore atteindre le niveau régulier. Ça prend, encore une fois, ça prend du temps. Ensuite, il y a le niveau expérimenté et enfin le niveau vétéran. Ces deux niveaux ne peuvent être atteints que en combat. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à l'entraînement, c'est que d'une part, ça coupe de l'équipement, dans la mesure où ça provoque de l'usure, comme les combats. Pas autant, mais ça vous coûtera de l'équipement. Ça vous permet également de gagner de l'expérience d'armée, hein, que vous pourrez utiliser pour améliorer votre équipement. Donc ça peut être intéressant de le faire aussi pour ça. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est que le jeu garde une trace au sein de chaque division du nombre d'hommes de chaque niveau. Ce qui fait que quand une division subirait des pertes, le jeu a tendance à mettre les pertes plus sur les hommes les moins expérimentés, plus que sur les vétérans. Ce qui est finalement assez réaliste et aura tendance quand même à préserver quand même un petit peu l'expérience globale de la division. Même si faut pas rêver, si elle subit trop de pertes, elle baissera en niveau. Nous terminons maintenant cette vidéo par un bonus. Alors il s'agit d'une fonctionnalité qui a été révélée donc au World War Z sur le consacré au Japon numéro 2 et qui montre la limitation de l'équipement au niveau des divisions. Donc je vous mets une capture d'écran. Et vous allez voir que c'est très intéressant puisque vous avez la possibilité sur chaque template de division de sélectionner quels sont les équipements auxquels la division a le droit ou pas. Donc ça va vous permettre de dire, ah bah tiens, toi t'es une division de garnison, donc toi tu m'intéresses pas, t'auras le droit à de l'équipement de base. Toi par contre t'es une division d'élite, je te mets par exemple uniquement des chars tigres parce que je t'aime bien. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant, ça n'existait pas dans les bulles de précédent, ça n'était pas visible. Là, si vous regardez les captures d'écran, vous verrez que ça n'est pas présent. Voilà, donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau de cette vidéo. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Cela clôt donc le chapitre sur les divisions de Heart of Iron 4. Nous poursuivrons d'ici la fin de cette semaine sur l'aspect militaire. En attendant, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, et je vous dis au revoir.